Salut à tous et à toutes les amis, c'est Twin Food. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo aujourd'hui les amis. Et ce serait une nouveauté de chez McDonald's. Donc les amis, McDonald's, ils nous proposent le McBaguette. Voilà, donc il revient en force après, je sais plus, au moins 2-3 ans je crois qu'il est sorti, ça fait longtemps. Donc le McBaguette les amis, voilà, il est là. Une bonne baguette, une bonne baguette de la boulangerie. On va voir à quoi ça ressemble les amis. Belle baguette. Oh, oh c'est pas une baguette ça, c'est une... C'est une demi-baguette. Une baguettine, ouais. Attention. Oh, 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 le bœuf. Donc voilà à quoi ça ressemble mes amis. Elle est énormément petite. C'est très petit, regardez, c'est la taille de ma main. Ouais, c'est vraiment petit, wow. Ça a l'air plutôt bon, hein, ça ouais. Et à l'intérieur, il y a deux steaks avec une tranche de gruyère. Ouais, c'est pauvre, hein. À l'intérieur, c'est ouais, deux steaks, deux, une tranche de gruyère. Deux petits steaks. Regardez, ça a l'air sec. Ah, il y a une sauce moutarde, je crois aussi. On va voir, regardez un peu, il y a une sauce moutarde là. Mais sinon, ça a l'air sec quand même, hein. Ça sent la moutarde, là, ça pique ah, ouais. Direct là. Je commence cette partie, les amis, on tape un croc. Ben, le pain, il est dur ou quoi, cousin? Ouais. C'est de le semelle. J'ai l'impression qu'il va s'associer. Le steak c'est de le semelle. Non, le steak c'est de le semelle. Ouais. Pire que mes chaussures les gars. Putain. Il est caoutchouté le steak, c'est un truc de ouf. D'habitude il est jamais comme ça. Autant que j'aille à foutre le cœur pour m'acheter une paire de chaussures comme ça. Bah sinon j'ai senti aucun goût les amis. J'ai senti du pain avec un steak. Je prends un bout de deux tranches de pain avec un steak, peu c'est de pareil semelle. Je crois que ça venait d'une voiture 44. Je sais pas. Je vais vérifier si c'est un 44, attendez. Bah, casse-toi pas une dent puis. D'ailleurs c'est une Nike et Adidas. Plus moche, je crois. Ah c'est pas bon hein, c'est à zéro goût. Le pain il est même pas très bon hein. C'est deux tranches de pain que on fout un steak. Un chouillon de moutarde, ouais, vraiment c'est un chouillon. Gruyère bah pff, gruyère inexistant. Ouais c'est ça en fait, du steak à un pain hein. C'est vraiment pas bon. Bah je mange parce que j'ai faim mais en plus quand je vais vous dire après le prix les amis. C'est un vol. Attention. On est sur un hold. C'est bon croûte. Ah et la salade. Non, je sens rien. Je sens rien. Mais c'est sec en plus. Pouf. On sent le bacon, les oignons. Ah non, ça c'est dans le rêve. On sent rien du tout. Rien du tout. À part un bon vieux pain à la semaine. Un pain, une semaine, un pain. Le pain, chaussures, moutarde, poil, pain. C'est bon. Allez chez vous, vous avez acheté une baguette à 30 centimes à la boulangerie. Et une pain de chaussures. Une pain de godasse à 3 euros action. En plus, ils ont pas été gavés depuis longtemps, on dirait. Très, très déçu de cette nouveauté de McDo. Hein. En plus, ça se mange à 2 secondes. Aucun point positif pour le moment. En plus, les amis, si vous regardez depuis longtemps nos vidéos, je crois qu'on n'a jamais été déçu par McDo en nouveauté. Tout ce qui était Max Choconuts, même les burgers et tout, jamais. Je crois que McDo nous ont jamais déçus. C'est toujours été super bon, mais je crois en fait, eux, c'est juste les burgers. Hein. Les amis, tout ce qui est baguette, faut, ouais. Faut oublier. C'est le temps qu'on fasse la route, on l'a fait réchauffer vite fait à la maison. C'est même pas pour ça, je pense qu'il est pas bon comme ça. C'est juste qu'il est pas bon. C'est peut-être pour ça qu'il est un peu moins bon. Bah, il reste pas bon quand même. Hein. Si on ferait réchauffer à Big Mac, il serait bon. Donc quand même, vraiment du début à la fin, c'est déçu, déception. McDo, pourtant j'ai une grande estime pour vous, mais là je suis déçu. Bah après, on va dire que juste la baguette, vous avez sorti une nouveauté pour dire de sortir une nouveauté peut-être. Une baguette, on va quand même passer aux notes du jury. Donc moi, ça sera un 2, je crois que j'ai jamais mis 2 dans une vidéo. On va dire 2 parce que c'est McDo, c'est très nul, très très nul. Moi c'est pareil, hein. Franchement j'allais mettre un 2 aussi parce que c'est très sec, pas bon. En plus le prix les amis, c'est pour ça que je mets un 2, c'est 5,60 le McBaguette. 5,60 pour ce petit truc là. Ne le prenez surtout même pas pour goûter, prenez pas du tout, ça vous ferait économiser 5,60 les amis. Parce que c'est un vrai vol. Si vous l'avez goûté, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Sur ce les amis, n'hésitez pas à nous dire en commentaire vos idées, etc. Ce que vous avez pensé de la vidéo. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Twin Food. Ciao, ciao les amis.